Pierre, dans ton parcours, on évoquait tout à l'heure, il y a Vegas aussi. Ouais, il y a Vegas. Ouais. Combien d'années t'es allé alors ? 5 ou 6. Ah, quand même, c'est énorme. De suite ? Non, il y a eu 2 années. Qui y avait avec toi ? Allez, il faut envoyer les noms. C'était quoi la bande ? Mathieu Blin, ouais. Stéphane Glas, et il y a eu David Skrela une année aussi. D'accord. Et voilà, on est parti là à la suite du titre de 2007. En se disant, bon, allez, voilà, on l'a bien mérité. Allez, on va envoyer. Voilà. Vous avez fait un peu d'oseille ou pas ? Eh bien, justement, c'est ça le gros danger du poker. C'est que moi, j'ai la première année en 2007, je suis rentré en bénéfice. Quoi. C'est-à-dire que je m'étais payé toute la semaine gratos, plus du bénéf. Ah, du gros bénéf alors ? Non, pas dingue, mais j'ai été payé sur quatre tournois sur les 7 qu'on a fait. Ah, donc, bien. Du coup, après, j'étais. J'ai marché sur l'eau, je me suis dit chaque année ça, il va se repasser la même chose. Ça n'a pas été le cas malheureusement. Et ouais, parce que tu penses que t'étais le seul à aller à Vegas et gagner, mon vieux. Et il s'est dit, y'a que moi, je vais à Vegas et je gagne tout le temps. Tu te dis, putain, en fait, je suis peut-être pas mal quoi. Et puis après, ça s'appelle l'enflammate. Après, tu prends des Alors, des Pierre, gifs. Quand tu étais à Vegas, est-ce que tu as joué au cash game? J'ai dû en faire un peu. Ouais. Mais tu disais tout à l'heure que faisait quasiment que des tournois. Ouais, que des tournois, parce qu'il y en a beaucoup là-bas. Ce qui est cool à Las Vegas, c'est que tu as les tournois à de tout niveau. C'est-à-dire, il y en a qui commencent à $20 jusqu'à 1000 ou 10 000 dollars parfois. Ouais, y a beaucoup et de on en de trouve à chaque heure dans différents casinos, à chaque heure du jour et de la nuit. Donc, nous, c'est ça qui nous a plu. Et franchement, ce qui était surtout incroyable, ce que j'avais jamais fait, quoi, c'est qu'on passait 10 heures ou 12 heures par jour à jouer au poker. Ouais, on est très peu sortis. Ah oui. Mais bizarrement, tout le monde nous a dit alors Las Vegas, c'était énorme, vous avez fait que sortir et tout. Et je crois qu'on est sortis la première année, deux fois peut-être. Parce qu'on était rincés. Ils vont là-bas pour jouer au poker. On était rincés, franchement. Quand tu passes 12 heures à une table, vous l'avez fait, vous savez ce que c'est. Tu sors, t'es mort, quoi.